Allez, on est parti les gars pour la suite tout simplement du let's play. On est parti pour reprendre, on était là, donc on devait assassiner notre roi de droite et assassiner le roi de gauche. Bon, pas évident, merci Arash pour le sub, merci Tismatcha. On a essayé d'attaquer, ça s'est mal passé, donc tranquille. Le prince Gizouf, donc on est en live les gars tous les jours à 11h et on continue le let's play tranquillement, voilà. Voilà. Le prince, donc j'ai fait une première partie les gars si vous voulez voir. Donc on incarne le roi Alfonso qui est donc un expert stratège pour... assassiner ses voisins, sauf que bon bah c'est pas si simple que ça au final. Le prince Gisulf de Salerne. Ok. A annoncé au monde que ses vassaux et lui-même s'étaient convertis à la foi Lollarde. Ouais. Déjeuner par les... Hein, on a rien à foutre en fait. Dépenser hein, la foi, hein, je m'en fous en fait. Ok. Mais vas-y, fais-toi plaisir mon ami. Je m'en branle en vrai. Alors, appelez à la guerre. Comment ça, appelez à la guerre? Quoi? Oh le bâtard. Bon allez, j'accepte. J'accepte. Il m'appelle à la guerre le bâtard. Oh le chacal. Alors, voyons voir. Est-ce que j'ai bientôt un level up, les gars? Ouais, 700 et quelques. Alors, oui, voir les points qu'on va pouvoir prendre. Permet le complot de fabrication d'un hameçon. Chercher des secrets. Peut également fabriquer des hameçons. Ça, c'est trop fort. Hein. La vérité relative. On va clairement prendre cet upgrade-là tous les jours. Hein. Ok, vas-y, let's go. On est parti. Donc là, on va les aider. Tout lever. Accepter. Bien sûr. Il attaque qui là du coup? Bon, tant que j'arrive, ils auront déjà fini, c'est parfait. Ça, on se fatigue pas trop. Ma fille héritière. Ah, du coup, j'ai plus un fils, j'ai une fille. Eva, alors vas-y, le nom de la grand-mère. Sancha, AR. Oh, bon, hein, peut-être pas là. Ancêtre, oula. Un nom catholique, Andregoto. Sancha, non, attends, mais. Sancha, non, mais vraiment, t'abuses. Denis, quoi? Sansa, vas-y Sansa c'est bien. Sansa c'est une bonne idée. Allez ok on a une fille, parfait. Ça va, bon on voulait un garçon mais tant pis. C'est quoi ça? D'embarquement. Ah oui d'accord, ah oui ça coûte cher. Ok on embarque, on a pris moins 16 là, ah oui d'accord. Ah oui mon orc qui vient de chuter. Alors que je viens juste l'aider à la base. Il est où? Ah non mais il est pas là putain je suis con. Pause. Mais non, oh, je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit, putain. Vite, vas-y, va looter. Principauté de Gwen. Allez, hop. Hop là, on l'aide à la guerre, les gars. On lui doit bien ça. Parfait, comme ça, il est content et tout. Débloquer un nouvel atout pour votre intrigue. Oh, let's go! Ok, c'est bon, les gars. On a récupéré un point, donc là on va faire ça. Permet de le complot et de fabrication d'absence. En gros, on va pouvoir fabriquer des rumeurs. Je prends ça direct. Alors, vitesse de progression de la tâche visant à chercher les secrets, plus 25%. Efficacité de la tâche à interrompre des complots. Et puissance du complot de meurtre. Oh, plus 30%. Alors là, mec, on prend ça direct. Probabilité de réussite du complot hostile, plus 25%. Ah ouais, non, mais on prend ça direct. On va devenir un expert en complot assassin. Ok, très bien. Donc là, on va aller pouvoir faire elle, on va aller pouvoir faire autre, on va aller pouvoir fabriquer un hameçon. Donc 90% de chance de réussite. Ah, il y a un monde dans lequel ça rate quand même. Ok, on va essayer de fabriquer un hameçon sur la femme de celui qu'on veut tuer. Ça m'a l'air d'être pas mal. Elle, on va la spé dans les intrigues. Comme ça, du coup, on aura encore plus d'intrigues. Et on va, lui, on va le soutenir, interrompre les complots, soutenir les complots. Donc là, on soutient mon complot. Ça devrait être normalement du 99%, je pense. 95% maintenant, maximum. Voyons voir. Intrigue ici. On est encore à 90, peut-être c'est pas mis à jour, je sais pas. Toujours à 92, toujours à 90%, ok, je ne sais pas. Ok. Alors, complot. Soutenir les complots. Interrompre les complots. Ok. Donc là, on a 90% de chance de pas se faire griller. Et que ça marche, pardon. Le vent, nanana,
Je dois lui demander moi-même. Donc là, on va lui demander si c'est bien le mien. Tranquillement. Elle a un gosse. Donc là, on va faire que l'enfant est secret, évidemment. Ça, on l'avait fait l'autre fois. Tranquille. Et là, par contre, du coup, ça, c'est quoi, là? Ça donne quoi, là? C'est bon, là, non? On est bon, là, non? Assiégé. Mon cousin a été tué? Oh! Mais non. J'ai un cousin qui est mort, je suis mort. Ah, je suis mort. Bah lui, il est mort, mais... Bon, j'ai un cousin qui est mort, désolé. Mon cousin a été tué pendant la bataille. Oh merde. Dizurum. Oh non, c'est la bataille héros, là? Ah bah, yes. Ah, dommage, hein. C'est pas une nouvelle main, c'est un dé en deux. Ok, donc on peut séparer l'armée. Là, c'est bon, là, ou quoi? Je sais pas si j'ai fini le combat, là. Ah non, faut arriver à 100%. En vrai, quand on arrive à 100%, on peut forcer le pays à se retraiter, à faire une retraite. Mais non, mais attends, il continue à attaquer là. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il fait quoi? Mais attends. Ah mais il attaque tout en fait, genre. Ah bah il se replie, mais en même temps. Alors pause, ok. Nous avons gagné la guerre menée par le prince nanana de Genwin contre nanana. Ok, donc là, on l'a aidé. Il me kiffe. Défenseur, blablabla. Donc on a gagné quoi? On a gagné quoi? Voyons voir. Votre contribution à la victoire, score, nanana. On a gagné que 100 de couronne, ah oui. Opinion du prince. Ah, par contre, l'opinion du prince, c'est 100% là. Il a kiffé. Hein. Ok, bah écoute, parfait. Rapatrions l'armée. On a perdu un peu d'or, mais c'est pas très grave. Et là, je crois que normalement, il y a un bouton pour rapatrier l'armée, je crois. Hein. Mais là, ils sont encore attaqués là? J'ai pas compris là. Donc là, c'est bon, c'est l'enfant. Là, c'est mon pote ou pas lui? C'est mon pote, non? On est d'accord que lui, c'est mon mate, non? Attends, mais il se fight à qui là? Attends, mais c'est grave là! Tu as deux guerres. Non, mais attends, mais là, attends, on est d'accord que là, il doit se fight à lui là? Et à lui, et à lui? Mais je l'abandonne en fait. Attends les gars, on est d'accord que là c'est la merde, non? De la police ce jeu quand tu commences à savoir jouer. Ouais, j'imagine. Mais attends, mais là c'est la merde, non? Non, il est que contre Merci, mais bon, c'est assez un gros client en early. Attends, mais Merci, c'est lui là? Non, mais attends, mais c'est grave là. Attends. Les gars. les gars. Donc là, je l'ai aidé à prendre ça. Et il se fait attaquer par 6000 hommes là. Est-ce que je peux partir en... Est-ce que je peux battre en retraite? Est-ce que je peux mettre un terme à notre amitié? Parce que là, j'avoue... non. Là, on va fuir. T'inquiète, il n'y a que les 1500 en rouge qui sont hostiles. Ah! Ah, eux sont pas hostiles. Ah, oui, c'est vrai. T'as raison. Armée neutre. Ah, oui, t'as raison. Armée neutre. Ok, donc c'est encore faisable. Bon, par contre, je vais pas fighter tout seul. On va clairement l'attendre. Hein. C'est problème. Hein. Moi, je choisis pas. Hein. J'ai pas demandé ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce fils de pute? Il se fait assiéger, il attaque pas, genre. J'ai pas envie de le battre, moi. Est-ce qu'il peut venir m'aider, ce fils de pute? Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Il trade? Vas-y, mais je vais le... Vas-y, je l'aide, mais... Ah oui, tant pis, hein, on reste avec lui, hein. Tant pis, il perd sa capitale, hein. Il perd sa ville, vas-y, on trade, vas-y, go, on y va. On y va. Il se fait assiéger, il s'en bat les couilles, bon, tant pis, hein. Mais si tu t'en fous. Bah non, mais là, ouais. Ah, désolé, frérot, mais là, non. moi, j'ai pas signé pour ça, hein. Moi, j'ai pas signé pour mourir, hein. Va-t'en, il ne revient jamais. Ah voilà, mec, ouais, moi qui pensais avoir un allié de ouf, on est plus sa mère, frérot, il est complètement con. Attaque-toi pas l'Angleterre, frérot, c'est trop grand! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con. Oh, t'es. Deux secondes! J'enlève l'image deux secondes. Quoi?
Voilà. Le jeu n'est pas Twitch friendly, quoi. Hein. Le jeu n'est pas Twitch friendly. Ça va, non, on voyait que le haut du corps. Heureusement, elle protégeait ses parties. Tout le monde se déshabille à un moment ou à un autre. Et le plus difficile, c'est de s'assurer que la troupe de jongleurs entre dans les appartements de la reine. Ouais. Voilà, ouais. Ok, au bon moment, pour qu'il y ait suffisamment de serviteurs présents pour que beaucoup parlent du chaos qui s'en suivra. On voit les amuseurs. Alors, attendez, je réfléchis juste à ce que je peux faire. 2 secondes. Vous dépensez 150 de prestige, vous obtenez un absent fort contre la reine. C'est très très bien ça. Vous ne pourrez pas essayer de fabriquer un absent à coup pendant 5 ans. Allez, allez, on envoie les amuseurs. C'est bon, on a un hameçon contre la demoiselle. Actuellement, elle était moins habillée que ça. Elle m'aimait pas déjà. Du coup, bon, on a réussi à créer une rumeur comme quoi elle se baladait toute nue, que les gens l'avaient vue toute nue, tout ça, tout ça. C'est très... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il est con? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'hallucine vraiment. Hein. Vas-y, je fight. Vas-y, je tente de fight. Non, vas-y, on y va. Hein. On y va, je vais me faire atomiser le cul, mais je me fais détruire. Je suis mort en fait. Fuyons. Ah, juste fuyons en fait. Bon allez, c'est pas ma guerre. Hein. Chacun ses problèmes les gars. Je suis désolé, mais bon, au bout d'un moment, non merci en fait. Bah tu vas mourir enculé. Hein. Tu veux pas défendre, tu vas mourir. Hein. Les gars, puis-je fuir d'une façon ou d'une autre? Bon, il est mort. Mon allié vient de nous quitter. Regarde tes options. J'ai une option vraiment pour pouvoir m'enfuir, parce que j'avoue que là je suis partisan de la fuyade. Hein. Comment faire? Ouais, c'est des paysans. Ouais, mon ami, c'est des paysans, ouais, ils se font défoncer. Allez, je mets play. Peut-être que quand ça arrivera à 100, ça, peut-être que ça devrait être bon. Peut-être qu'il devrait être mort, ce bâtard. Alors, attendez, pause. Le comté nanana. Le comté Salamanque. C'est quoi Salamanque? Attitude martiale. Il se fait détruire, hein, mais... En même temps, il l'a cherché, quand même, hein. Je vais pas juger, mais il est quand même sacrément con, hein. Bon, mesdames et messieurs, place aux intrigues, un petit peu. Voyons voir. Donc là, l'intrigue est ici. Nous avons un hameçon ici, pour la pousser... Oula, il a moins 100. Oh! Oh, peut-être qu'il a. Il a fait la guerre, lui. Il a fait la guerre, le monsieur. Oh, il se fait attaquer. Oh, chier. C'est dommage. C'est pas de chance. Influencer. Assassiner. Comment, les gars, puis-je... Comment puis-je utiliser mon hameçon de cette demoiselle pour... Comment puis-je utiliser mon hameçon de cette demoiselle pour contribuer à l'assassinat, peut-être, je dis bien peut-être, de son futur mari... Enfin, de son mari. Comment puis-je faire pour... Comment puis-je faire pour lui mettre un peu de pression? Et j'arrive. Nous avons perdu la guerre. Ah bah j'ai bien vu, oui. Ainsi soit-il. Hop, c'est bon. Dispersez tout le monde. Hop. Allez, salut. Bon, bah mon allié qui s'est fait raser. Hein. Ouais. Ouais, bah mon allié est mort. Unité désactivable dans les options Sky. Ok, super. Bon, on va clairement faire ça. Voyons voir. Ah, c'est vraiment Game of Thrones, hein. Dans tous les sens du terme. Dis-moi les gars où c'est, du coup, tout simplement. Ça, du coup, ça va plus vite. Alors, votre voisin, Roi Sancho, a perdu contre votre cousin, Roi Hanso. Ah ouais, mais non. Dans la revendication du royaume de Navarre. Oh, il s'est fait graille. Oh, il s'est fait graille. Oh, il s'est fait graille, il s'est fait graille une zone. Let's go. Oh, il s'est fait attaquer, genre le pauvre. Chez. Puissance militaire, 100. Puissance militaire, 300. Mais attends, mais ça peut, à tout moment, là, ça peut partir en couille, là. Puissance militaire, 300. Et l'autre, 100.
Ah, faut savoir saisir les opportunités, les gars. Ok, achat d'armée. Ah, les gars. Puisque bon. Hop, ton avant. Oh, on va hop l'armée, les gars. On va hop l'armée. On sauvegarde. Hop. Alors là, les gars, on est pas mal. Là, il y a guerre qui a fait rage à l'est entre, nous, entre notre cousin et notre frère. Ah, ça met bien. On va pas se mentir, ça met bien. Il est endommagé, le monsieur. Et là, comment je fais pour... comment je fais, les gars, pour demander à la demoiselle de m'aider à le tuer, genre. Ah, il y a des agents. Oh, là, les agents, c'est ça? Démarre le complot et démarre le après. Lance le complot. C'est après, Sky. Ok, ok. D'accord. Donc là, je démarre le complot. On tente. Et là, vous me dites que après... Donc là, j'imagine ici, j'ai un agent infiltré, le bourgmestre, et je peux inviter des gens. Refuser, refuser, peut-être convaincu. Soudoyer. Voilà. Alors la reine. Elle est où la reine? Elle est où la reine? Elle va refuser. Soudoyer. Utiliser l'hameçon. Voilà! La reine qui va m'aider! Avec l'hameçon. Donc la meuf, on l'a vu à poil, et du coup elle accepte de tuer son mari. Hein. C'est Bah oui, bah... Je veux dire, c'est quoi le délire? Évidemment! Évidemment! Aïe 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 aïe, tonton! 95% de ses vertus par une femme à poil! C'est dommage! Hein, c'est compliqué quand même! Votre cousin a créé une branche, par contre du coup c'est chiant, parce que comme il capture du terrain à lui, du coup je vais capturer un truc qui est moins grand que de base, genre. Dans ses pensées, je me demande ce qu'elle a la tête. Elle a le trait enfant songeur, oh non. Donc ça est une fille étrangement calme, oh non, c'est relou ça. Vas-y, pause. Oh là, il y a des problèmes là. Conseil de bâtard, donc là c'est il faut faire des bâtards. Conseil de la religion. Tous les personnages croient en une foi. Ok, suivant. Là, les gars, dans 11 mois, normalement, il meurt. Il y a 5% de chances qu'il survive, mais bon. Tous les personnages croient à la fois. Ok, c'est pas fini, hein, parce que le but, c'est étant de récupérer littéralement toute la zone. Hein. C'est de créer un empire. Tous les personnages croient à la fois. Ok, c'est bon, t'as compris. Et en fait, ah oui, d'accord, c'est parce que ouvrir le menu de foi. Je ne sais pas ouvrir le menu de foi. Foi, 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 foi. Ok. Rançonneur. Voyons voir. Impressionnant roi Alfonso de Léo. Merci, de Léon. Sigrid, hein, mes chers, laisseriez-vous échanger un... Vous paye. Attends, on échange un... Elle veut une meuf? Elle veut une prisonnière. Oh ouais, en vrai. Vas-y, hein, 50 balles, hein. Ouais, ça me va, ça me va. Oh oui. Exécution rapide. Puissance du compo de meurtre. Bah on est bien quand même dans le compo de meurtre. Je pense que... Fouillons dans le passé. Donc là, on va chercher des secrets... Ça pousse tout seul. Fécondité. Puissance du complot. Quand on tente sur quelqu'un, on gagne de l'intrigue permanente. Ça, c'est quand même vraiment fort. Hein. Je sais pas encore comment on torture des gens. Mais ça me tente très très bien. Efficacité visant à interrompre les complots. Vitesse de progression de chercher les secrets. Ok. Permet le complot d'enlèvement. Pas mal. Probabilité de réussir un complot ennemi. Probabilité de réussite du complot ennemi, moins 25. Ok, ça c'est vraiment fort. Probabilité de réussite de complot hostile. Et complot hostile maximum plus 1. Oh là, let's go. Vas-y, complot de meurtre. Vas-y, on se spécialise les gars dans l'assassinat de nos voisins. On se spécialise dans l'assassinat de nos voisins. Juste par contre, comment on va faire pour les pays arabes? Ça va être la merde parce que du coup, on n'est pas du tout dans leur lignée. Donc, on va devoir réfléchir. On va devoir réfléchir pour aller. Peut-être. Oula, les soldats qui s'effondrent. Oula, qu'est-ce qu'ils font eux? Oula, qu'est-ce qu'ils font lui? Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Merci, je pleure, je leur pisse qui cue. Merci monsieur pour les belles chaussures. Merci à toi, merci Arash, merci pour le sub. Là, c'est quoi ça? L'assassinat en route. Oh, incroyable. Quoi? Quoi? Mais non. Le moment est venu, mes agents auront besoin d'un itinéraire de fuite sûr.
pour sortir du château du roi Sancho en cas de problème. Une carte d'état de la région avec tous les chemins inconnus serait une ressource inestimable. Payez Philippe. Philippe. Un complot visant à assassiner le roi Sancho obtient à cartographier. Conséquences possibles. 63%. Le chasseur Philippe est discret. Le chasseur Philippe se vend de sa richesse. Obtient délateur. Ah non. Abandonner l'idée, hein. Non. Pas besoin. Alors, garde tes plans de mort, là. Foi de la religion. Je sais pas comment ouvrir la foi. Ah, c'est là. Ok. Alors, attendez. Je vais lire ça vite fait. On va lire la foi. Votre foi a un certain nombre de doctrines. Ces doctrines établissent des règles pour les membres de la foi. Ils régissent de nombreuses choses, telles que les lois de succession, le sexe disponible ou quels personnages peuvent détenir des propriétés religieuses. Ok. Les principes en haut sont les doctrines spéciales qui donnent des bonus ou des options à votre personnage. Ok. Toutes les fois ont également des péchés et des vertus qui indiquent quel comportement est mal vu ou apprécié par vos pères. Ok. C'est quoi les... C'est le catholicisme, ça. C'est quoi les vertus du catholicisme ? Être chaste ? C'est vrai. Être tempéré, être honnête, être compatissant, être indulgent. Qu'est-ce qui n'est mal vu ? Vindicatif, sadique, fourbe, gourmand et lubrique. Quelle erreur. Chaque foi a une ferveur qui croît et décroît au fil du temps en fonction du nombre d'adhérents à la foi. Ok. De la façon dont les guerres saintes se déroulent. La faveur représente le fanatisme des fidèles. Ok. Il est plus facile de convertir des comtés ou qui utilisent le comté de votre foi. Elle est... Comté de votre foi résiste à la conversion. Ok. Cependant, lorsqu'elle est basse, les dirigeants peuvent décider d'abandonner la foi. Enfin, ok. Ok, quoi là ? Les dirigeants hérétiques se convertira en même temps que le territoire le plus proche des vassaux et en temps libre. Depuis la vue des fois, il est possible de créer votre propre foi. Les doctrines et les principes coûtent un certain montant de piété. Donc, la piété, c'est ça. Selon les principes de votre foi actuelle. Ce n'est pas quelque chose à craindre pour votre premier personnage, mais cela peut être un premier objectif très amusant à atteindre lorsque vous vous sentez plus en confiance. Les membres de famille et les vassaux qui ont une opinion élevée à votre égard sont susceptibles de vous rejoindre votre foi. Ok. D'accord. Créer une foi chrétienne. Incroyable. Bon, j'ai pas piété les gars, hein, mais c'est marrant. Ok, on jouera foi une autre fois. Parfait. Donc là, l'assassinat qui est bien en place quand même. Hein. On va voir les intrigues. Est-ce que l'intrigue a été finie ? Il n'y a plus d'intrigue personnelle. Ah non, c'est pas possible ça. Plus d'intrigue personnelle. Lui, est-ce qu'il me déteste toujours ? Il me déteste pas. Saria. Est-ce que là, il est pas temps de faire une petite intrigue personnelle ? Les gars, je propose qu'on aille chercher... On fait une intrigue personnelle d'un... On va essayer de trouver un super combattant. Parce que là, on a des combattants éclatés au sol. Cherchons, les gars, de par le monde, le meilleur combattant. Et recrutons-le. Donc, on va là. On fait rechercher. Trouver les personnages, je crois. Et là, cherchons parmi tous les personnages du monde. Il y a un moyen, les gars, de voir tout ce qu'on peut voir. Pays souverain, tous les pays. Voilà. Il y a un moyen, je crois, de chercher un truc à portée, genre. Voilà, portée diplomatique. À portée diplomatique. On a le comte du Limousin. Brillant stratège. 25, les gars, de stratégie. Incroyable. Et on a Yacoub. Yacoub, qui est actuellement une grosse merde IRL. Donc, 43 ans. 24 ans. 36 ans. Mais c'est un musulman. Je sais pas s'il va kiffer. L'autre, c'est un ibadisme. Lui, c'est un catholique. Peut-être prendre un catholique. Peut-être c'est plus simple à le ramener à la base. 42 ans, est-ce qu'on peut pas avoir voilà, un jeune génie de la guerre? Est-ce qu'on aurait un jeune génie de la guerre qui est fort en tout? On sait jamais. Non. Il n'y a pas tant de jeunes génies de la guerre que ça. Il est galant, voyons voir, prouesse, ok. Durée d'approvisionnement, logisticien plus 100%. Enfin, lui c'est vraiment un crack. Hein. Lui c'est un crack de ouf. Hein. Téméraire, durée d'approvisionnement, fin tacticien, zélé, appliqué, juste, calme. Ils ont tout les mecs. Hein. Ils sont trop forts en vrai. C'est quoi, je prends lui. Hein. C'est un crack. Ah non, ouais, moi 110%. Oui. Ah oui, la religion, ça pose des problèmes. Hein. Catholiques, les catholiques sont néfastes.
Oh, les musulmans catholiques, ça se déteste, genre. À ce point-là, quoi. Les catholiques sont néfastes. Ah, donc, c'est toutes les religions. Ok, bah écoute, bah du coup, non. Du coup, on prend pas lui. Bah, du coup, prenons lui, hein. En vrai, lui, il a l'air très bien. Ok, vas-y. Est-ce que je peux le prendre, lui? Est-ce que je peux faire un. Fabriquer un hameçon? Est-ce que je peux l'influencer? J'ai bien envie qu'il vienne nous rejoindre. Démarrer le complot. Ouais, mais je sais pas, attendez. Y a pas moyen de gars de chercher directement. Y a pas un moyen de ramener carrément un mec de base, genre? Non, je vais essayer de prendre un mec qui n'est pas attaché à quelque chose. Donc là, on voit apporter, ouais, parfait. Et là, faut juste qu'on trouve un mec qui n'est pas associé à un blason, donc un roturier, tu vois, un clochard, quoi. Bah lui, hein, en vrai, lui, il est bien, à 43 ans, quand même. Y a pas un roturier qui est jeune, genre? Lui, roturier, non, pas roturier. Lui, roturier. Oh, lui, c'est bien. Lui, c'est bien. Il est très, très bien. À part qu'il est d'une religion différente, mais... Au pire, il fera l'effort, hein. 22. Il a quoi? Il a stratège, les soldats, morts ennemis, plus 25%. Martialité, parfait. Allez, Daoud. Alors, je t'invite à me rejoindre. Influencer. Hop là. Est-ce que je peux l'inviter à la cour, les gars? Inviter à la cour. Utiliser un hameçon. Ah, d'accord. Peut-être utiliser un hameçon, du coup. Parce que là, il est pas chaud, quoi. Ok, go. Let's go. C'est un dirigeant. C'est un dirigeant, celui que je viens de prendre, là? Non. Celui que je viens de prendre, là, le génie, là? Vous êtes sûr? Daoud, c'est un dirigeant? Lui, c'est un clochard, non? Invité de l'émir. Ouais, ça, c'est un clojo. Hop, il est chaste en plus, gros. C'est bon, ouais. On va me faire chier par un puceau. Je rigole. Complot découvert. Non! Quoi? Quoi? Mais attends, mais quoi? Attends, mais c'est 95% de réussite? Mais diable! Juste avant l'exécution? Oh non, c'est dur. Un mois de la fin? Oh, j'ai envie de pleurer, bordel! Oh non, c'est grave! Oh, c'est grave! Oh merde! Oula! Inspiré par les récentes colères paysans, un de mes agents a présenté une suggestion unique au roi Sancho. Ouais. Oh, il a déjà récupéré 900 hommes, hein, non, c'est dur. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Oh non. Ta gueule, toi, tu m'as saoulé. Oh non! Oh, l'échec critique de mon assassinat! Ah, c'est dur. Ah, c'est pas grave, on va jouer avec, hein, mais... Impressionnant, Alfonso de Leon. Je vous invite à honorer votre... Mais non, mais il me pète les couilles, lui. Nique ta mère, un peu. C'est bon, arrête de faire la guerre, c'est bon. Hop, dégage. Je n'aurai rien du tout, gros. Tu te démerdes. Tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. 1000 hommes. Ah non, c'est chaud. Est-ce que je peux acheter des... Je vais acheter des mecs. J'ai beaucoup de thunes. Oh là 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 là. Putain, c'est dur. Ah, j'ai plus d'hameçon sur elle. Ah si, j'ai encore un hameçon. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, c'est dur, hein. Vas-y. Autre. Fabriquer un hameçon. Ok. Je vais tuer lui, hein. Je vais faire la guerre à lui et je vais tuer l'autre. Je vais tuer celui de gauche. Il a 200 hommes. Il a 200 hommes, frérot. Il a 200 hommes. Non, mais je lui fais la guerre directe. 200 hommes, c'est que dalle. Ah, dans les conseils, guerre. Alors, on va voir mes guerriers. Oh, ça va. On a quand même un bourgmestre assez puissant. Permettre. C'est-à-dire quoi, permettre? Être un chevalier. Forcer d'être un chevalier. C'est pas tu peux, c'est tu dois, en fait. Attends, mais c'est qui, lui? Guylaine de Saria. Il est pas un... C'est un mec important ou c'est un chien? Ouais, c'est un chien, c'est bon. Let's go, tu peux y aller. tu peux y aller. Oui, on va. Je vais acheter des chevaliers, les gars. On va faire la guerre. Là, on a eu des problèmes.
Crée un régiment d'armes. Un régiment d'hommes. Vas-y. Les cavaliers avec de l'armure. Par contre, ça bug ça. Hein. Pourquoi c'est bugué ça, les gars? Je comprends pas. Quand je suis dessus, ça bug. Ah, c'est bon, ça a débugué. Alors. Ah oui, ils sont forts selon certains types de trucs. Colline. Ah merde, c'est quoi ça? C'est des collines. Terrain, colline. Colline. Colline, c'est moins 10. Ah. Je vais me fight ici en vrai. Hein. Ah, c'est quoi ça? C'est colline, montagne, plaine, plaine. Colline, forêt. Ok, c'est fort en quoi? C'est fort en plaine et c'est fort en terrain aride. Ah, c'est pas trop aride. Hein. Alors, qu'est-ce qui est fort en colline? En colline, plus 8. Résistance, les piquets. En plaine, en colline, les archers. Archer en colline. Mais moi, je suis un gars qui joue les archers, moi. Hein. On va pas se mentir. Hein. En colline, plus 10. Les caballeros, et les archers. Vas-y, on prend les deux. Par contre, 100 dégâts, quoi. 100 dégâts, poursuite, résistance, 30. Ah, mais les archers, c'est puant, frère, par rapport à... Je regarde la différence de dégâts. Hein. 30. Mais pourquoi je prendrais pas les chevaliers en armure, les gars, vu qu'ils sont beaucoup plus forts? Vas-y, hein, je prends les chevaliers en armure. Hein. Je prendrai avec 5 villageois, il se renforcera jusqu'à 100. Jusqu'à 50. Vas-y, hein. On essaye, les gars, on essaye. C'est peut-être une mauvaise idée, mais on essaye. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais vas-y, à l'aise. Mercenaires. Je peux acheter des mercenaires. Ouais, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des mercenaires? Ordre. J'ai envie d'avoir des chevaliers, les gars. Il y a un moyen, les gars, d'attirer des chevaliers qui ont des grosses valeurs. C'est où qu'on va, les gars, pour attirer des gros chevaliers? C'est là. Inviter des chevaliers à la cour. 150 de trucs. Ok, donc là, on invite des chevaliers. Voyons voir. Inviter des présents. Donc là, c'est ce qu'on peut utiliser dans notre prestige, les gars. Notre prestige peut être utilisé pour ça. Tac, tac, tac. Hop. Ok. Ah bah c'est la fin du deuxième épisode, les gars. C'est la fin du deuxième épisode, donc on va préparer la deuxième attaque. L'assassinat, malheureusement, de notre voisin a raté à rien. 5% de chance de rater, ça a raté quand même. Ouais, c'est un peu unlucky. Mais c'est pas grave. On lâche rien, les gars. On va faire la guerre, je pense, pour récupérer un peu d'espace à gauche. Et puis on va essayer tout simplement de tuer ce mec-là et assassiner celui-là. Donc bon, là je vais faire un hameçon sur la femme. C'est en tout cas ce que j'ai prévu. On va voir et reformons le Portugal. Voilà pour les épisodes. On continue là sur le live évidemment. Merci à vous tous d'avoir suivi. On continue pour le troisième épisode. Bisous tout le monde. Ciao ciao.